Dans l'angle sombre d'un salon, silencieuse, couverte de poussière, sans doute oubliée par son maître, on apercevait la harpe. Combien de notes dormaient en ses cordes, comme un oiseau dort dans les branches en attendant la main de neige qui sait l'arracher. Ah, j'ai pensé, combien de fois le génie dort ainsi au fond de l'âme et attend qu'une voix comme celle de Lazare dise « Lève-toi et marche ». Ce poème, ma grand-mère me l'a récité pendant toute mon enfance. À l'époque, je ne savais même pas ce qu'était qu'une harpe. La harpe, c'est un des instruments les plus anciens de la création. C'est un arc qui va se métamorphoser et sous différentes formes, différentes fonctions, il va accompagner l'homme sur chaque continent et au fil des siècles. C'est la muse des poètes, c'est l'instrument des troubadours. C'est un instrument noble. Au début du XIXe siècle, les jeunes anglaises le préfèrent à l'épinette parce qu'il met mieux en valeur leur teint et leur visage. Pendant la Révolution française, on les brûle. C'est un instrument sacré dans la Grèce antique. En Égypte, il sert de lien entre la terre et l'au-delà. C'est un instrument populaire dans les pays celtes, en Amérique du Sud, en Afrique. Je n'ai absolument aucun souvenir des raisons pour lesquelles j'ai choisi de jouer de la harpe. Mais ça a été une évidence. Peut-être parce qu'on se ressemble, notre histoire se ressemble beaucoup. Celle d'une petite flamme très fragile qui se bat pour ne pas mourir. Celle d'un jeune soldat qui quitte l'Alsace pour rejoindre Napoléon. Il déserte à Minsk. 100 ans plus tard, Sonia, sa descendante, quitte la Lituanie car elle a décidé d'aller travailler. Elle rejoint la Palestine pour cultiver le riz. Là-bas, elle rencontre Boris, un Russe qui a fui les pogroms. Hors mariage, ils ont 2 enfants et regagnent la Lituanie. Le père de Sonia est très mécontent. Il a un gendre qui n'a pas de papier, qui n'a pas d'argent, qui n'a même pas de nom. Il faut absolument s'en débarrasser. Alors, il va lui payer un billet de bateau, un aller simple, pour la destination de son choix. Boris choisit l'Uruguay, parce qu'en Uruguay, on cultive des oranges. Ce que le père de Sonia n'a pas prévu, c'est que quelques mois plus tard, elle le suit avec leurs 2 petites filles. La deuxième s'appelle Felicia. Le soir de ses 10 ans, elle rencontre Carlos. Carlos a 14 ans. Sa famille a quitté l'Italie en désaccord avec la politique de Mussolini. Et Carlos et Felicia ne se quitteront plus jamais. Pas même en 1975, lorsqu'ils n'ont le choix qu'entre la prison et l'exil suite au coup d'État, ils quittent cette terre qui était devenue la leur, avec leurs 2 filles. Ils envoient des CV dans toute l'Europe. Il n'y a que 2 villes qui répondent, Avignon et Strasbourg. Et le choix se fait très vite. Mes grands-parents sont architectes et ils sont tombés amoureux de la cathédrale de Strasbourg lors d'un voyage d'étudiants. Et puis je pense aussi que l'Alsace et l'Uruguay sont 2 sœurs jumelles, 2 terres qui ont été ballottées entre de très nombreuses cultures, de très nombreuses civilisations. Et puis, l'histoire se répète. La fille aînée de Carlos et Felicia a 18 ans. Elle s'appelle Anna et joue du violon. En partant pour une académie d'été, elle rencontre Jean. Jean a une horrible chemise orange, mais c'est le seul de ses camarades à connaître la situation politique de l'Uruguay. Inutile de préciser que Anna et Jean sont mes parents et que quand je nais à Strasbourg, environ 200 ans après mon ancêtre, je boucle la boucle d'un très très long périple. Quand j'ai choisi la harpe, ma mère m'a dit « Tu as choisi un instrument qu'on ne déplace pas, un instrument très encombrant, tu mets fin à la malédiction de l'exil. » Seulement, la harpe, c'est un point d'ancrage peut-être, mais c'est un point d'ancrage qui n'en a pas. Elle n'atteint sa forme définitive qu'au XIXe siècle. Et ce qui aurait pu être une richesse immense s'est transformé en handicap. Aujourd'hui encore, la harpe est associée à un instrument de salon, un instrument mineur,
à la princesse aux longs cheveux, la princesse éthérée dans sa tour d'ivoire. C'est un instrument qui a peu de répertoire avant le début du XXe siècle. Un instrument, du coup, qui est moins invité, moins voulu dans les festivals. Un instrument coûteux, donc peu démocratique. Je me rappelle d'une phrase terrible. Un jour, je fais une masterclass avec un réalisateur de documentaires musicaux. Et après m'avoir beaucoup félicité, il va voir mes parents et leur dit « Mais quel gâchis ! Quel gâchis ! Comment avez-vous pu, vous qui êtes musicien, laisser votre enfant faire cet instrument avec tout ce qu'elle a à donner ? La harpe, elle ne fera rien. » Alors, vu comme ça, c'est triste, c'est pas engageant. Et pourtant, je peux dire qu'il n'y a pas de plus belle voix au monde que celle-là. Parce qu'aujourd'hui, tout est inventé. On a les cartes en main pour inventer notre parcours. Mais j'ai vraiment l'image de ce peintre, vous lui donnez quelques pièces de mosaïque, une mosaïque antique, et vous lui dites « Dessine la suite à ton image. » Alors c'est le travail de tous les jours. Chercher du répertoire ancien, parfois qui n'est plus édité, aller transcrire des œuvres, réaliser comme ça des rêves musicaux, des pièces qu'on a rêvé de jouer toute son enfance, toute sa jeunesse, et qui ne sont pas écrites pour notre instrument. Ainsi, on repousse les limites, nos limites, mais aussi les limites techniques de notre instrument. On collabore avec des compositeurs pour créer de nouvelles façons de jouer. Et puis, il faut essayer de casser les frontières. On vit une période magnifique parce qu'on a accès à toutes les musiques anciennes avec les clés pour les interpréter. Mais on a aussi accès à toutes les musiques aujourd'hui. Et il y a tellement de choses qui s'écrivent, tellement de choses qui se créent. La musique actuelle, ça va de la chanson à la musique sérielle, la musique électronique, le rap, les musiques traditionnelles. Il y a énormément de choses. Et je pense qu'un interprète aujourd'hui n'a pas le droit de passer à côté de cette richesse, n'a pas le droit de ne pas être curieux. Il y a aussi d'autres barrières à franchir. C'est vrai que en tant que musicien classique, on voit de plus en plus les salles de concert qui se vident. Le public n'est pas très jeune. Alors, il faut essayer d'amener la musique ailleurs. On va dans les écoles pour faire découvrir nos instruments. On va dans les prisons, dans les hôpitaux. On va dans la rue même pour jouer, pour créer de nouvelles formes artistiques et de nouvelles formes de transmettre la musique. Il n'y a pas de plus beau cadeau quand on sort d'une présentation scolaire, parfois dans un milieu très difficile, très défavorisé, et qu'il y a une dizaine de petits garçons qui viennent vous voir en disant « Ah, oh, madame, moi, plus tard, je serai harpiste parce que c'est trop cool comme métier. » Il n'y a pas de plus beau cadeau que ça. Et puis, là, je parle des formes, mais aussi en tant qu'interprète. C'est vrai que si on écoute une chanson aujourd'hui, elle est écrite avec notre langage, le langage qu'on parle aujourd'hui, mais les problèmes que chacun d'entre nous peut rencontrer. C'est vrai que si on écoute une sonate de Mozart, c'est un peu plus abstrait. Alors, c'est le défi de chaque musicien, tout en respectant un style, une histoire, d'adapter cette musique pour que chacun, aujourd'hui, puisse s'identifier et se reconnaître dans cette musique. Je pense que ma mère a parlé un peu vite en parlant de point d'ancrage, parce que je ne tiens absolument pas en place. Mais le point d'ancrage, c'est le vrai, celui qui est en chacun de nous. Celui qui est en moi, c'est la richesse de tout ce que j'ai hérité, de mes origines, de mes convictions, de mes valeurs, ce que m'a légué ma famille. Et j'ai fait le choix de ne pas avoir de métier fixe, de ni enseigner, ni être dans un orchestre, mais de vivre seulement de mes concerts, déjà parce que je voulais prouver que la harpe est un instrument à part entière, un instrument qui peut avoir sa propre carrière, mais surtout parce que je voulais être libre, libre de construire mon parcours et de servir mes idéaux, qu'ils soient artistiques ou humains. Enfin, je dirais que la harpe, c'est la plus grande beauté de la harpe, c'est que, comme la voix, il n'y a aucun intermédiaire, pas d'archer, pas de touche, on fabrique le son directement avec son corps. Et c'est un peu ce génie dont je parlais au début, dont le poème parle. Il est en chacun de nous, et c'est à chacun de nous de le faire sortir avec ses mains, avec son cœur, pour tirer ce qui nous fait vivre.
sabes a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano. Y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y el abecedario. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de todos, que es el mismo canto, y el canto de ustedes, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida.